Alors Sylvain, où c'est que ça s'est joué? Pour ma part, ça s'est joué 10,5 km, où j'étais présent dans la première échappée. Donc tout au long de la journée, j'ai su rester à l'avant. Et voilà, pour moi, quand notre scooter s'est rentré, c'était un coureur à surveiller. Donc voilà. Attends, qu'est-ce qu'il est revenu? Nantes Peter, c'est de Chambéry. Et une fois qu'il était devant, voilà, je l'ai surveillé et je restais tout le temps avec lui parce que c'est quelqu'un qui voit très bien la course, c'est un très bon descendeur. Et je savais qu'en restant avec lui dans la dernière ascension, il y avait de fortes chances que je finisse dans les 5. Donc mon pari s'est révélé juste et bon, donc je suis content. Voilà, c'est une super bonne chose. C'est mon anniversaire dimanche, donc voilà, c'est un peu mon cadeau à l'avance. Donc voilà, très content. Le Jura me réussit bien. Voilà, ce sont des routes qui me conviennent parce que très exigeantes, vous êtes toujours en prise, où il n'y a pas un mètre de plat, donc très peu de temps pour récupérer. Donc voilà, très heureux de venir ici, en plus avec une météo clémente. On voit l'engouement des jurassiens pour cette épreuve, avec des banderoles, avec des haut-parleurs pour crier de ce projet. Ouais, voilà. Et voilà, c'est agréable de venir ici. Quand on est le Jura et la Suisse, voilà, il y a une mentalité à part et qui est très agréable quand on est coureur cycliste. Donc c'est aussi très agréable de venir ici. Donc c'est pour ça que bon, il y a une saveur particulière quand même d'être dans le Jura. Et demain, il y a une tactique particulière? La tactique, ça va être compliqué étant donné qu'on a déjà un coureur qui a abandonné parce qu'il n'est pas bien du tout. Okay. Donc Maxime Lavandier. Donc moi, j'ai pas envie que les mecs s'usent physiquement pour conserver le maillot alors que ça va être très compliqué parce que Chambéry a une très grosse équipe. Donc moi, je suis venu là pour prendre une étape. Demain, j'ai mes coéquipiers qui sont en embuscade. Donc s'ils peuvent être devant, je pense que je les laisserai faire et voilà. J'ai pas vraiment envie que l'équipe contrôle et s'use pour m'aider, sachant que bon, je suis pas physiquement, je suis bien, mais je suis pas exceptionnel. Donc c'était pas une course pour moi qui était un objectif. Donc je suis plutôt là en phase de préparation où justement dès lundi je vais être un peu hors pot pour faire un premier cycle de l'année. Donc bon. Donc tu prépares Vesoul. Voilà, je prépare Vesoul. Voilà. Je vais faire quelques jours off pour justement repartir sur un cycle et préparer le championnat de France contre la montre où j'espère voilà, faire un podium et qui plus est tenter de remporter le titre chez les amateurs. Donc voilà, c'est un bel objectif. Et ça se prépare correctement, donc voilà, je vais essayer de pas trop griller cartouche ce week-end pour bien récupérer et repartir sur un autre cycle de travail qui est le plus important. Là, le dernier mois et demi de travail qui reste va être très difficile, donc c'est pour ça qu'un peu de repos fera pas de mal.